Merde, mon micro, je suis trop con! Salut tonton Stan, moi c'est Mabel, et moi c'est Dipper. Ok. Waouh, un livre magique! Salut Anne des Gnomes, tu veux te marier avec nous? Non. Dans ce cas, on va te tuer et on va te marier de force. Non. Mais Oh, 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 c'est moi, le Père Noël. La vie, ma croquette! Attention, un monstre géant! Oh, oh! Merde, mon robot! Salut, c'est moi, Gédéon, le plus beau, le plus mignon, le plus doué, le meilleur, le plus gentil, c'est moi la bête! Hey, Mabel, tu veux sortir avec moi? Ok. Tu veux m'épouser? Non. Dans ce cas, je vais t'épouser de force? Non, car je m'y oppose! Ah, fais chier! Ils ont gagné cette bataille, mais pas la guerre, car j'ai le deuxième cahier, moi! Salut, c'est moi, Pacifica, et je suis la meilleure, la plus belle, la plus riche, etc. Parce que mes ancêtres sont les fondateurs de cette ville! D'accord, laisse-moi 30 minutes. La vérité, ce que t'as vu entière est basée sur un mensonge. Oh, fais chier! On sort ensemble? Non. Waouh, j'ai gagné un cochon! Je vais l'appeler juste un bridou! Salut, je viens du futur, mais faut pas le dire! Bah alors pourquoi tu me le dis? Hé, hey, Mabel, grâce au truc que j'ai volé à le type là-bas, on va pouvoir voyager dans le temps et je pourrai pêcher ma copine. Oh, trop bien! On sort ensemble? Non. Waouh, j'ai gagné un cochon! Je vais l'appeler juste un bridou! On sort ensemble? Non. Waouh, j'ai gagné un cochon! Je vais l'appeler juste un bridou! Voudrez-vous bien sortir avec moi, s'il vous plaît? Non. Waouh, j'ai gagné un cochon! Je vais l'appeler juste un bridou! Et là, non. Waouh, j'ai gagné un cochon! Je vais l'appeler juste un bridou! On sort ensemble? Oui. Là 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 là. Hop là! Oh non, cette autre connasse a pris mon cochon! Dipper, l'autre salope a volé mon cochon! Bon, ok, donc on va reprendre ton cochon. Non. Waouh, j'ai gagné un cochon! En faisant cela, Dipper resta célibataire toute sa vie. Oh non, mon cochon s'est fait enlever par un ptérodactyle! Il faut absolument aller le sauver! Ok. Coup de boule! Waouh! Des dinosaures qui sont pris au piège de la résine et qui sont encore vivants! On devrait peut-être en informer quelqu'un, non? Non! Il faut que je récupère l'acte de propriété du Mr. Headshake. Alors quoi de mieux que pour voler à la maison d'un vieil homme de 50 ans que d'invoquer un démon qui peut potentiellement détruire la Terre? Salut, je suis Bill, et toi tu es Gédéon, n'est-ce pas? Oh, mais comment tu le sais? Je sais beaucoup de choses. Beaucoup. Ok, donc tu vas rentrer dans la tête de Stan pour récupérer son code secret. D'accord. Salut. Oh non, ce démon lui est probablement entré dans la tête pour récupérer l'acte de propriété du Mr. Headshake. Vite, il faut que j'aille chercher mon livre magique. Voilà. Bon, allez, donc faut tous se mettre autour. Et maintenant, on fait une incantation maléfique. Randy, Rando, Renda, Renda, Randy, Randy, Ronda, Riha, Wenda, Rinda, Rinda, Riha, Rinda, Rinda. Même si vous êtes là, vous ne pourrez pas m'arrêter. Si, parce que quand on est dans la tête des gens, nous aussi on a des super pouvoirs. Oh! Ouais, on a gagné! Bon, bah puisqu'invoquer un démon surpuissant qui peut potentiellement détruire la Terre n'a pas fonctionné. Alors, je vais tout faire péter. Yes! J'ai gagné! L'acte de propriété est à moi! Non, car je ne t'en laisserai pas faire! Les nains, à l'attaque. Oh, vengeance! Oh, merde, j'ai fait tomber mon cahier! Quoi? C'est lui qui avait le cahier magique? Quoi? Il y a un autre cahier magique? Oh mon dieu! Bon, s'il en avait un, c'est peut-être parce qu'il avait le deuxième! Bon. Bah. Au cas où. Eh, le vieux, t'as fini mon robot géant? Oui. Je vais te tuer. Non. Parce que je suis One Punch Man. Poum. Oh non, je suis vaincu. Bon, bah allez, emprisonne-toi maintenant. Ah, voilà une bonne chose de faite. Hé, hey, tonton, en fait, j'ai un cahier magique. Fais voir ce qu'il y a marqué dedans. Ah, 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 c'est que des bêtises. Ah, 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 ça va faire une bonne histoire. Je vais gagner plein d'argent, merci. Ah, 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 maintenant que j'ai les trois cahiers, je vais pouvoir faire quelque chose de peut-être méchant. Waouh, je trouve un ordinateur appartenant à l'auteur du cahier magique. Et Dipper,
Je vais faire un spectacle de marionnettes parce que je suis amoureuse d'un gars chelou. Ok. Merde, il y a un mot de passe. Je sais, je vais faire une nuit blanche pour découvrir quel est le mot de passe. Merde, je n'ai plus qu'un seul essai. Je peux te donner le mot de passe si tu veux. Le démon qui a essayé de nous tuer la dernière fois. Devrais-je faire confiance à un démon qui peut potentiellement détruire la Terre? Ok, tu veux quoi en échange? Je veux juste une marionnette. Ok, tu veux quelle marionnette? Toi. Et paf! Je suis dans ton corps maintenant et j'ai pété ton ordi. Oh non! Par le pouvoir de l'anatomie humaine, tu es fatigué. Et maintenant je vais reprendre mon corps. Waouh! J'étais battu! Ouais, mais t'as plus de PC, fils de pute! Oh merde! Là 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 là, je suis gay et je fais une tarte de manière insouciante. Là là là, je vais voler la tarte. Oh lutin! Prise de catch! Nous sommes la société de l'œil immaculé. Nous faisons oublier aux gens les choses étranges qu'ils ont vues en leur effaçant la mémoire. Pan! Waouh! Je suis vieille! Mais à part ça, rien de surprenant. Et tout ça atterrit dans des petites bouteilles. Voilà, j'ai sa mémoire dans les mains. On vient récupérer la mémoire du dieu Mike Croquette, parce qu'il est très important pour le scénario. Ouah, je m'envole. Et maintenant, vous allez nous donner ça? Non. Et maintenant, on va même vous effacer la mémoire. Waouh. Oh là là, je suis un villageois normal. Waouh, je me rappelle plus. Mais qui suis-je? Tu t'appelles Trou du cul. Tu es un joyeux troubadour. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. La 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 la. Waouh, hey, Mike Croquette, t'as vu? On va pouvoir regarder ta mémoire. Regarde, elle est là, ta mémoire. C'est marqué là, Mike Croquette, tu sais pas lire? Regarde, à travers ce petit écran, on va voir ce que tu as oublié. Salut, c'est moi, Mike Croquette. Et j'ai vu des choses étranges à travers un portail magique. Et c'est pour cela que j'ai décidé de m'effacer la mémoire grâce à ce pistolet. Car sinon, ça va me hanter toute ma vie. Waouh. Je me rappelle plus de rien, mais c'est pas grave parce que je suis heureux. Maintenant, je me rappelle juste que je suis l'ami de l'auteur. Oui. Oui, mais... Oh, un truc bizarre. Non, vite, il faut que je m'efface la mémoire. Waouh, je me souviens plus de rien. Waouh, c'est vrai, je me souviens de tout maintenant. Maintenant, vous allez mourir parce que j'ai perdu mon travail à cause de vous. Non. Les enfants, je dois vous dire quelque chose. Bonjour, ici le FBI, on vous arrête. Non. Ah bah si. La 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 la. Mabel, il faut qu'on aille dans la chambre de Stan. Viens. Oh mon dieu, regarde ce qu'il y a écrit. Vol de produits illicites, fausse identité. Oh mon dieu, Stan est en fait un hors-la-loi. Et là, regarde, un mot de passe pour le distributeur automatique de boissons situé à l'entrée du magasin. Les enfants, on réquisitionne cette maison. Bon, bah dans ce cas, on va rentrer de force. Ok. Allô, Mousse? Oui, allô? Protège le distributeur automatique situé à l'entrée du magasin. Ouais, ok. Mousse, laisse-nous passer. Non. Allez, s'il te plaît. Bon, ok. Tun tun tun. Oh mon dieu, Stan possède en réalité les trois cahiers magiques. Il a créé une machine qui peut potentiellement détruire le monde. Les enfants, je viens d'échapper au FBI pour vous dire que tout ce qui est écrit dans ces cahiers est complètement faux. Je te crois pas. Si, voilà, c'est vrai. Bon, d'accord. Waouh, salut, je suis l'auteur des trois cahiers magiques. Oh mon dieu, c'est l'auteur, c'est l'auteur, c'est l'auteur, c'est l'auteur. Mon dieu, je suis trop fan de vous, signez-moi un autographe. Ta gueule. Votre oncle Stan, Stanley, est en réalité un imposteur. Ce n'est pas votre oncle. C'est moi, votre véritable oncle. Stan, Stanford. Enfin non, techniquement c'est aussi votre oncle parce que c'est mon frère, mais on s'en fout parce qu'il a été renié de la famille. Mon frère apparaître a également créé cette boule magique qui va faire retrouver tous ses pouvoirs au démon Bill le Doritos si elle est détruite. Ok. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai un plan pour nous protéger de Bill. Enfin pour protéger juste le Mystery Shake, mais j'ai un plan quand même. Mabel, il faut absolument que tu ailles récupérer une crinière de licorne. Selon moi, seul toi as le pouvoir d'aller la récupérer, car d'après la légende, il faut avoir le cœur pur. Si tu veux récupérer ma crinière, il faudra que tu aies le cœur pur. Mais là, tu n'en as pas. Oh, Licorna, tu sais que c'est du bullshit tout ça. Oh, tu m'as menti sur le cœur pur? Oui. Dans ce cas, je vais te défoncer la gueule. Et voilà. Maintenant, le Mystery Shake est entouré d'une barrière magique. Hey, Dipper, j'ai besoin de toi pour aller dans un vaisseau extraterrestre. Tu me suis? Ok, laisse-moi juste le temps de prendre mon... superbe sac à dos qui est exactement le même que ma soeur parce qu'on est jumeaux et du coup bah c'est obligé qu'on est pareil et on va se donner des talkie-walkie aussi pour parler parce que voilà comme ça on peut encore communiquer ensemble, d'accord? Et moi pendant ce temps je vais préparer notre anniversaire ici parce que le dernier jour des vacances et ça sera aussi notre anniversaire et on va devoir partir de Gravity Fall. Sniff sniff sniff. Ah bah moi aussi je vais prendre mon superbe sac à dos, allez on y va chacun de notre côté. Ouais.
Hey Dipper, en fait, j'ai besoin de toi pour réparer cette super bouboule magique qui peut potentiellement faire réapparaître Bill le démon Doritos. J'ai besoin de colle super forte, mais plus forte que celle qu'on peut trouver sur Terre. J'ai besoin de colle extraterrestre qu'on va trouver dans un vaisseau extraterrestre qui est pas loin d'ici. Tu vois Dipper, je commence à me faire vieux. J'aurai bientôt besoin d'un successeur pour continuer à faire des recherches sur les trucs paranormaux dont l'humanité se passerait bien. Alors c'est pour cela que je te demande. Dipper, veux-tu être mon successeur? Je sais pas, parce que Mabel, bah, elle est sympa quand même. Et puis aussi, c'est ma sœur. J'aime bien ma sœur. Ah, attention, des extraterrestres, ils vont m'enlever. Oh Dipper, sauve-toi! Sauve-toi! Non. Ah, merci Dipper, tu m'as sauvé la vie. Oui. Et tout ceci m'a fait me rendre compte que je voulais bien être ton successeur et abandonner ma sœur. Et j'ai totalement oublié que j'avais un talkie-walkie dans la poche et que ma sœur pouvait tout entendre. Coucou Mabel, c'est moi. Je suis triste, espèce de méchant. Je suis si triste, c'est bientôt la fin des vacances. Et en plus, personne veut venir à mon anniversaire avec mon frère. Et en plus, eh ben y a mon frère, il va partir avec un vieux pédophile. Donc ça veut dire que je le reverrai plus jamais. Je peux t'aider si tu veux, c'est vrai? Oui, je peux faire en sorte que l'été dure bien plus longtemps si tu veux. Voire pour l'éternité. Oh, j'aurais juste besoin que tu me passes un truc comme ça. Oh, écoutons le vieux monsieur qui a essayé de nous buter plusieurs fois. Dipper doit probablement avoir un truc dans le genre dans son sac. Ouais, oui, c'est vrai, il avait un truc comme ça. C'est ça que vous voulez? Oui, exactement. Passe-le-moi. Ah, merci petite. Oh, mais qu'est-ce que vous faites? Oh, enfin c'était moi, je suis enfin libre. Oh là là, oh non. Je crois que j'ai fait une bêtise. Et toi, petite, je vais te garder. Dans une boule! Oh mon dieu, Bill a été libéré! Bon, bah, on est tous morts, hein. Ok. Ah ah ah, maintenant que je suis libre, ça va être le chaos, parce que le chaos, c'est rigolo! Et je vais faire réapparaître mes copains démons. Oh là là, Bill, t'es trop fort! Oh là 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 là! Ça, c'est mes copains démons! C'est mes copains! Mes copains! Parce que mes copains, bah, c'est des grands copains. Le chaos! Ah, et là, c'est ça, fuyez, bande de lâches. Non, Bill, on va t'en empêcher. Alors, toi, je te transforme en statue dorée. Pop, voilà. Et toi, bon, je vais... Vous deux, vous pouvez vous en occuper. Après tout, je vois vraiment pas ce que ce gamin ayant résolu une tonne d'événements paranormaux pourrait faire. Allez, à table. Oh, 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 oh. Ouf, je crois que je les ai semés. Oh, oh, salut Wendy. Tiens, ça va? Oui. Il faut qu'on les arrête, pas vrai? Oui. Et pour commencer, il faut qu'on aille sauver Mabel. Pourquoi? Parce que je suis une merde sans elle. Oh mon dieu, trou du cul! C'est Gideon. Et je travaille pour Bill. Et moi et mon armée de Monsieur Bizarre, on va vous attraper. Parce que... Voilà. Non. Parce qu'on va prendre une voiture. Pouah. Nous aussi, on a une voiture. Pouah. Vite, Dipper. Accélère, ils nous poursuivent. T'es sûr? Je le vois pas. On n'avait pas assez de budget pour acheter notre petite voiture. Tu vas pas faire ton rabat-joie quand même. Ah ah ah, on vous a rattrapé. Maintenant, on va prévenir Bill. Allô Bill? Bah on les a. D'accord, j'arrive. Dis-moi du con, Gideon. Tu fais bien tout ça pour Mabel, n'est-ce pas? Oui. T'es sûr que c'est ce qu'elle voudrait? Ok, barrez-vous. Vroom 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 vroom. Oh, salut Mousse. Salut. Donc Mabel est dans cette boule géante? Oui. Rentrons à l'intérieur. Papa, 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 boum. Oh mon dieu, c'est un monde féerique ici. Mabel. Oui, c'est moi, la princesse. Il faut que tu viennes avec nous. Mais tout est si merveilleux ici. Vous pouvez vivre vos plus grands rêves. Oh, papa, c'est toi? Oui, mon fils. Waouh. Truc que c'est mon plus grand rêve et que je sais plus ce que c'est toi? Oui. Oh. Mabel, viens, je t'en prie. Non, je suis désolé, je resterai avec toi, d'accord. Oh mon dieu, vite, il faut s'échapper à bord de mon cochon volant. Mais ils sont où? Vite, rentrons au Mystery Shack. On sera en sécurité là-bas. Oh, ça a fait du bruit. Il y a peut-être des gens à l'intérieur. Il faut les attaquer par surprise. Voyons. Mon dieu, tout le monde, vous êtes ici. Bah, vous m'avez quand même défoncé la gueule pour créer une barrière magique. Faut quand même que ça serve. Maintenant, je vais aller conquérir le monde. Mais, quels sont ces simagrées? Et toi? Oui. Dis-moi comment casser la barrière magique autour de la ville. C'est simple, c'est juste une équation. Oh, bon, ça devrait aller alors. C'est quoi la réponse? Je te le dirai pas. Mais je m'en fous, je peux entrer dans ta tête d'abord. Non, parce qu'un jour, tu m'as serré la main. Et t'es obligé de me resserrer la main pour pouvoir entrer dans la tête. Ça perd l'hippopète. Ok, donc il faut qu'on trouve un truc pour pouvoir combattre Bill. Et je sais ce qu'on va faire. Ah ah, Bill, on a fait un robot géant avec notre maison. Maintenant, tu peux plus rien contre nous. Bon, les gars, à l'attaque. Yop. Ah ah, nous sommes maintenant invincibles. Devrais-je vous rappeler que mes pouvoirs sont quasi omnipotents? Oui, mais tu ne peux rien contre nous, car notre maison est équipée d'un super bouclier magique fait avec des poils de cul de licorne. Et il est invisible aussi, parce que ça... il me faut une quatrième main. Nani? Poum.
mon dieu, le bouclier, il les protège. Vite, c'est le moment. Il faut que nous allions dans son repère pour pouvoir libérer les autres. Les figurants, restez ici. Nous, on y va, en sautant en parachute. Oui. Hé, hey, oncle Ford, réveille-toi. What the fuck, qu'est-ce qui s'est passé, dude? Hé, les gars, libérez-moi, je suis enfermé dans une cage invisible. Ah, Dipper, je connais un moyen pour battre Bill. Attends, d'abord, il faut que je dessine quelque chose au sol. Voilà, maintenant, il faut tous que l'on se mette autour. Et seuls ceux qui sont dans cette pièce peuvent s'y mettre. Heureusement qu'il ne manque personne. Ah, merci, le scénario. Bon, Stan, tu viens? Il ne manque que toi. Je me demande, à quoi ça rime tout ça? Je installe-toi, pose-toi pas de questions. Bon, d'accord. Gros con. Eh, mais t'as dit quoi là? Ha, juste à cause de votre petite dispute, la terre tout entière est condamnée. Ha, je suis méchant. Votre diversion n'a pas duré assez longtemps. Et maintenant? Voilà, il ne reste que vous quatre maintenant. Et vous, je vais vous enfermer dans une cage. Oh mon dieu, il nous a enfermés dans une cage. Maintenant, je vais me faire un plaisir de vous tuer. Vous qui m'avez mené la vie dure. Pire phrase de méchant ça, ta gueule. Ah, vite, il faut qu'on lui échappe. Ouf. Heureusement que le simple fait de courir nous permet de le semer. Oncle Stan, oncle Ford, on est venu vous libérer. Ah, je vous ai rattrapé. Non, arrête. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je veux bien te faire rentrer dans ma tête. Oh, c'est vrai? Oui, je veux bien te faire rentrer dans ma tête pour te donner le code pour pouvoir briser le bouclier de Gravity Fall. D'accord, je vais te faire confiance. Après tout, je ne vois pas ce que l'homme le plus intelligent du monde et son frère jumeau pourraient faire. Allez, je te serre la main. Je suis enfin dans la tête de Ford. Je vais enfin pouvoir désactiver le bouclier de Gravity Fall pour pouvoir conquérir le monde. Pouf! Quoi? Stan? Mais pourquoi je suis dans ta tête? On a échangé nos vêtements. Oh mon dieu! Adieu, Stan. Si on lui efface la mémoire alors que Bill est toujours à l'intérieur, Bill sera vaincu. À jamais. Boum. Non, arrête! Si tu fais ça, tu ne retrouveras jamais la mémoire! Oui, bah écoute, hein. Non, arrête! Arrête! Tu ne te souviendras de rien! Non, arrête! Arrête par là! Oh, regardez! Une statue de Bill en pierre est apparue! Mais on s'en fout! Ah! Stan, ça va? Qui êtes-vous? Bon, bah, fais chier. Oncle Stan, mais t'es sûr que tu te rappelles de rien? Non? Mais qui êtes-vous? Oh putain, Justin Bridou, casse-toi! Oh, il s'est souvenu de Justin Bridou! Vite, faut lui montrer des photos de famille! Il va peut-être s'en rappeler! Ah là là, c'est bon, maintenant je me souviens de tout! Ce qui n'est absolument pas logique. Si tu avais reçu un coup sur la tête, encore. Je veux bien que la mémoire te revienne, mais si tu y as effacé avec une machine, c'est limite quand même, hein. Ton scénario il est pas ouf. Bon ben, c'est la fin des vacances, on va devoir rentrer chez nous, dans notre maison. Il est temps de partir avec un flashback émouvant, cassez-vous. D'accord. Hey, Mabel, tu veux sortir avec moi? Ok. Tu veux m'épouser? Merde. Sortir avec moi? Ok. Hey, tu veux... Putain, mais arrête de tomber quand tu es ok. Cochon. Alors, quoi de mieux que... Et bord de l'eau. Ah, oh, j'étais battu. Ouais, mais t'as plus de PC, fils de pute. Ah, oh, merde. Oh, quel bordel. Oh, putain, il me faut 25 mains. C'est surprenant. Ah, on vient récupérer la mémoire du vieux... Merde, il s'appelle comment? Mike Croquette. Ah ah, on vient récupérer la mémoire... Merde. Ah ah, on vient récupérer la mémoire du putain de... Et toi, je vais te garder. Merde. Ah ah ah, maintenant que je suis libre, ça va être le chaos, parce que le calot... Le calot. Ah ah, Bill, on a fait un robot géant avec notre maison... C'est ça ma vie. Ah, au secours, je suis aveugle maintenant. Ah, je suis aveugle. Ah, je suis aveugle maintenant. Ah, à cause de... Ils sont morts. Je voudrais que l'on fasse tous une minute de silence pour mon Doritos. Parti trop tôt.
Enfin, trop tôt, c'est approximatif quand même. Ça fait 3 semaines qu'il est dans mon tiroir, c'est... Oh putain, casse-toi! Putain, j'ai oublié son nom. Et en plus, j'ai projeté à 3 mètres. Oh, faut que je me lève.